Du coup, je viens de la Hatch Academy et aujourd'hui, c'est mon 7e combat. Et je viens de prendre de l'expérience pour me préparer pour le tournoi pour le faire. Donc ce soir, tu fais un super fight contre qui? Contre un mec du MMA Factory, je ne vais pas écorcher son nom, donc je ne connais pas exactement son nom. Mais voilà, tous les profils sont bons à prendre pour après passer dans mon pro. J'ai commencé le MMA, ça fait 5 mois, allez, grand max 6. Et sinon, avec ça, je ne faisais pas de sport de combat. Je me suis déjà battu dans la rue comme toute personne. Ce qui fait que j'ai des bases, on va dire. Mais sinon, là, c'est ma première compétition. Et voilà, après, dans l'avenir du MMA, vraiment, je souhaite vraiment passer sur une carrière amateur pour aller ensuite vers du professionnel. Sans compter qu'on est à Aubervilliers, donc c'est à la maison en plus. J'étais obligé. Ah, tu viens d'Aubervilliers ? Voilà, je viens d'Aubervilliers. De vrai, depuis, je me trouve même bizarre parce que j'ai jamais été aussi serein. D'habitude, j'ai une petite boule au ventre, une petite tremblote, mais là, j'ai rien, je suis serein. Il vient, il fait ce qu'il a à faire, je fais ce que j'ai à faire. C'est tout fin. Après, je suis tombé sur son dernier 100% fight qu'il a fait. J'ai pu voir un peu deux, trois petits trucs, mais bon, je prends pas trop ça en considération vu qu'on évolue avec le temps. Donc voilà. C'est que le début. Là, il y a le tournoi qui arrive. La semaine prochaine, je suis à l'entraînement. Vous allez voir.